Bonjour à tous. Vous êtes certainement déjà intéressé à l'assistance électrique des VAE. Ici, ce moustache est sans doute un des meilleurs VTT à assistance électrique disponibles sur le marché. Aujourd'hui, testons la version de base du samedi 29 Game, le Game 4. Mais avant, let's ride. Ce moustache samedi 29 Game 4 est un excellent vélo électrique, même s'il se place plus pour un VTT week-end qu'un vélo polyvalent pour tous les jours. Moustache Bikes est une marque de vélo électrique française créée en 2011 dans les Vosges, et il y a un soin apporté à la finition, à la solidité, à la fiabilité et au design des cadres. Le prix de vente est donc élevé. L'anecdote, c'est qu'ils nomment leur vélo par rapport au jour de la semaine. Il existe par exemple le lundi et le samedi, ou bien le mercredi. Le lundi est prévu pour suivre toute la semaine, c'est un vélo de ville. Le samedi est au contraire un VTT prévu pour le samedi, pour aller faire avec des amis ou pas du VTT. Dans la gamme, celui-ci se place en tant que VTT enduro 29 pouces. Il a 160 mm de débattement avant-arrière et est prévu pour tous les terrains. C'est le premier de la gamme, qui va jusqu'à 10, de 5 000 € à 7 600 €. Si vous voulez vous tourner vers une approche VTT électrique, donc un VTT AE, je vous conseille d'aller regarder, vous êtes débutant, je vous conseille d'aller regarder la gamme Wide 27,5 de chez Moustache, qui est moins chère et plus simple d'approche. Ce Game 4 profite d'un système électrique de chez Bosch, comme chez tous les Moustaches. Il a ici la meilleure batterie et le meilleur moteur. Je trouve que c'est une approche très intéressante du VTT électrique. Il reste performant grâce à ses roues de 29 pouces et je vous verrai, le ressenti est vraiment très bon par la suite. Il y a au guidon le système Purion avec un affichage simple et efficace. En plus du moteur éteint, il y a 4 modes, Eco, Tour, IMTB et Turbo. Le mode IMTB est selon moi le meilleur, il propose une accélération sans à-coup naturelle pour du tout-terrain. Quand vous accélérez lentement, il accélère lentement. Et pareil, quand vous pédalez fort, il accélère fort. Sur route, je me pencherai plus sur le mode Tour pour l'autonomie et pour l'effort demandé, sur le mode Turbo pour la puissance. Le moteur est vraiment très coupleux, il est agréable à utiliser, et là en montée en tout-terrain, c'est vraiment quelque chose. Un vélo est avant tout fait pour être utilisé. Alors parlons du ressenti, que ce soit sur route ou en tout terrain. Moustache nous offre 160 mm de débattement avant-arrière, il faudra dépenser 600 € supplémentaires pour avoir 170 mm. La fourche est une RockShox 35 Gold RL, et tout comme l'amortisseur arrière qui est fait par Moustache, c'est mesuré pour le poids du vélo, et ça donne donc ce qu'il faut niveau débattement, niveau mollesse. On le ressent, cet amortisseur n'est ni trop rigide ni trop souple, et la fourche ne plonge pas malgré les 24 kg, comme on aurait pu le penser dans une descente. On ne ressent pas de grosses différences avec un VTT classique, et on est très vite à son aise sur ce Moustache, malgré les 24 kg, les pneus sont larges, ils font 2,5 pouces de largeur et il est très performant, surtout avec des roues en 29 pouces. On peut cependant noter des défauts mineurs. Le prise de chargement de la batterie n'est pas très bien placée, juste au-dessus du moteur, et donc faillible aux projections de boue. Vous avez perdu le capuchon si vous l'avez mal refermé. On peut cependant enlever la batterie sans problème pour la mettre à charger avec son chargeur. Le vélo est aussi lourd, donc pas très maniable. Si vous voulez vous tourner sur un chemin, il est gros et lourd. Ou alors monter des escaliers. Mais le bouton Walk est le bienvenu. Vous cliquez sur un bouton au niveau de l'écran et le moteur vous aide quand vous poussez le vélo. Ce vélo est pour moi un des meilleurs choix à faire quant à l'achat d'un VTT AE. Il n'est peut-être pas le meilleur pour tous les jours, il n'est pas très polyvalent, mais reste agréable sur route. Il est pensé pour l'enduro. Son prix de 5 000 € est peut-être l'unique chose qui peut vous retenir, mais les pilotes les plus pointus ne seront pas déçus et devraient regarder les modèles supérieurs. Le choix de Moustache d'y mettre des jantes en 29 pouces et de laisser les roues en 27,5 sur le modèle grand public est très intelligent et le rend plus performant et précis. Il faut l'essayer pour l'aimer. Merci et à bientôt.